Dans la famille James Bond, les acteurs subissent exactement ce que l'industrie du cinéma fait endurer aux femmes. Plus les années passaient, moins le profil du comédien pour incarner un 007 était intéressant. Il suffit de voir ce qu'il se trame pour Daniel Craig en ce moment. Mourir peut attendre. Prochain volet de James Bond dans lequel il tient pour la 5e fois le premier rôle est attendu en salle le 6 octobre. Et ce devrait être la dernière fois que les fans de la firme ne découvrent l'agent le plus connu du monde sous les traits de Daniel Craig. Les recherches ont d'ailleurs déjà débuté pour lui trouver un remplaçant et une femme pourrait récupérer son rôle. Pour l'heure, l'information n'a pas été officiellement confirmée, encore moins sa raison ni même à qui appartient ce choix, mais il se pourrait que l'âge du comédien ne soit pas étranger à cette décision. La production a-t-elle fait comprendre à Daniel Craig qu'il était désormais trop vieux pour incarner ce héros ? C'est fort probable quand on sait que c'est exactement ce qui est arrivé à son prédécesseur Pierce Brosnan. Pierce Brosnan a joué les James Bond dans 4 volets, GoldenEye, Demain ne meurt jamais. Le monde ne suffit pas et meurt un autre jour, long métrage sorti en 2002 dont France 3 propose la diffusion en prime ce vendredi 24 septembre. Ce que l'acteur ne savait pas alors pas lors du tournage, c'est que ses répliques seraient les dernières. Après la sortie de Meurt un autre jour, un gros point d'interrogation figurait sur le retour de Pierce Brosnan dans la peau de James Bond pour le film suivant. Et c'est finalement un coup de fil reçu par l'acteur de la part de la production qui mettra un terme à cette collaboration. Son talent n'est pas à l'origine de cette décision, mais ses 50 ans révolus auraient fini par poser problème. Une information que le principal intéressé confirmera 2 ans plus tard en affirmant qu'il a bien été licencié en raison de son âge. Il ne veut d'ailleurs depuis plus revoir les films dans lesquels il a joué. La prochaine recrue est donc prévenue.